Les amis, on part. C'est les addicts du vide-grenier, bien sûr. On part vers les vides-greniers. Dans un vide-grenier. Les vides-greniers de l'extrême. L'extrême. 6 vides-greniers dans le week-end. À tout de suite, hein. On va y aller. Ouais. J'ai déjà démarré la voiture. On y va. Allez, on y va, go. Allez, go. Des tableaux. Prenez là-dedans, vous voulez les prendre, mettez-les dans un sac. C'est combien ça? 10 euros pièce. Ouais. Les valent plus, hein. 15 euros les deux, si vous prenez les deux. Alors là, tu vois, les casser un peu, ouais. Dommage. Normalement, ouais. C'est bon. C'est pas une affaire. Le tout le vend à 15 euros. Voilà, pour prendre des notes. C'est sympa, ouais, bah ça peut même pour les décors. Non, mais aucun, je marque pas de notes pour le travail. Oui, on a refait les travaux en novembre, là, pendant que j'étais en vacances. Non, c'est pris ça, madame. Ah, d'accord. C'est pris. Vous avez besoin de renseignements? C'est 5 euros unité. Là, vous avez les cartes un petit peu plus rares. Ici, ça dépend de la rareté. Après, vous avez des cartes plus basiques où c'est que je fais à 1,50 €. Ouais. Et là, vous avez des lots. Bon, normalement, c'est pour les enfants, mais je crois que monsieur est un peu plus connaisseur. Oui. Là, c'est les lots à 1 €. C'est que des cartes brillantes holographiques et reverse. D'accord. Que je fais en lot. Sinon, vous avez les cartes à l'unité par ici. Là aussi, Dragon Ball Z, My Hero Academia. Et je vends aussi les protections. Les protections, comme ici, ça? Alors là, vous avez pour les protections display. Et là, c'est pour les OTB. Enfin, elles sont ouvertes. Hein, les cartes, là, vous avez les petites balles Z. Et je vends aussi les classeurs vides. D'accord. Si classeurs vides, ouais. Après, je fais des prix s'il y a plusieurs cartes. Ouais. Hein, bien sûr. Ouais. Quelque chose, madame, monsieur. C'est ma mère, je crois que c'était en Italie ou un truc comme ça. Voilà, elle nous a donné sans les lacets, j'imagine qu'ils étaient un peu. Moi, je ne comprends pas en parlant. Lui, il y a un peu en plus le prix de patron. Casimir. C'est le vrai, hein. Ouais. Il est quoi, il a combien? 30 euros. 30, ouais. Ouais, il est un peu... Il est vieux, hein, celui-là. Ouais. Star Wars. Bon, et combien c'est le livre comme ça? 1 €. 1 €. Et le BD, c'est 2 €. 2 €. Les BD, c'est ça, c'est une BD, ça? Je crois. C'est pareil, les gens. Ah, donne-moi 40, toi. Le dos, c'est pas cher. Fais un tour, je crois. Ça c'est deux stations. Il y a la marette. Il y a 1 € pièce. Pêche.
l'émission. Il y a eu pas mal de Lego là. C'est tout en vrac. Merci, c'est gentil. Merci. Ah ouais, c'est ça, les ballons. Ah, mais ça casse plus. Bravo. Je vois les voitures. Ouais, je vais pas te vendre ça quand même. Ça va les gars? Salut, ça va, ouais. Non, tu rigoles. Ouais, le café. Ah, quand même, je vais pas te prendre. Ah, mais c'est pas. Ça fait deux échelles. Bonjour. On payera le café. Ah bah merci beaucoup, ah, c'est gentil. Oh, non, quand même. Merci. Vous avez appelé. Tu les fais à combien les figurines? Les figurines, je les fais 20 balles pièce. On ouais. Prend les deux. Je vais te faire 30 balles les deux. 30. D'accord, ouais. Elles sont nickel. Hein. Ouais, elles sont belles. Hein. Mais c'est fini, ça y est. Ouais. On n'a pas trouvé grand chose. À Saint-Nicolas. On n'a pas dépensé grand chose. Non. 3 euros. Non, 4 euros. 4 euros. 10h09, on va à Saint-Nicolas. On va à Saint-Nicolas maintenant. Il y avait des Playmobil, maintenant. Pas des Playmobil. Lego. Un grand. Ouais, il devait y avoir, Il avait deux figurines Star Wars, enfin Darth Vader et Spider-Man. 30 euros les deux, il faisait. C'est pas cher. C'est bien, ouais. Après, il y avait, Vador, il y avait des Lego, des Lego sur Titi. Il les faisait pas cher non plus, mais c'est pas notre cam, ça. Ouais. 120 euros les 70 kilos. Ouais, un truc comme ça, ouais. C'était pas très cher. Sachant que ça se vend à plus de 10 euros kilo. Ouais, c'est ça. Tu calcules. Hein. Ouais, mais bon, on va pas se coltiner des Lego. Non, non, ça va. Ça reste cher quand même, mais bon. Oui, c'est vrai que c'est pas cher, mais. Maintenant, après, on va pas les garder, je veux dire. Non. C'est pour les revendre. Donc, ouais. C'est pas évident de. Lego. De savoir. On y va. Saint-Nicolas. J'ai baillé, et alors? Eh oui. Ouais, c'est le deuxième qu'on... Et il a une troisième. Ouais, c'est le troisième qu'on voit. Ouais. Il n'est pas marqué de marque, hein. Non. Il y a encore un. Hein. Je les interdis. Et on est arrivé à Saint-Claude. Il n'y a pas trop de monde en plus. Il y a des vendeurs quand même. Regardez qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a du monde quand même.
ça y est, c'est rasure, c'est perdure. On va à Cap. On n'a rien trouvé. Voilà. On va se manier, on va aller à Cap. J'espère qu'on trouvera, qu'on sera plus chanceux. Mais après, il y a Magic World et Saint-Nicolas. Les vidéos extrêmes continuent, les amis. Les vidéos extrêmes. On est arrivé. C'est là-bas. Patrick. Ouais. On y va. J'espère qu'on trouvera des choses. Wow, on voit. Hein. Des fois oui, des fois non, ça dépend. Ouais. Vous filmez ? Ouais. Ah bon ? On est sur YouTube, madame. Ouais, on fait des vide-greniers et des brocantes, des trucs comme ça. Ouais. Combien vous faites des jeux comme ça? Non, trois, c'est là. C'est les jeux. Oui, ouais, jeux. C'est un jeu. Oui, voilà, parce que les on appelle les autres, là. Les autres, les petits films, là, 2 euros, là. Oui, d'accord. Je m'étais dit mettre 3 euros les jeux et 2 les dessins animés. Jeu de dames. Est-ce qu'il est compris ou non? Combien de petits jetons? Bonjour. C'est combien de jeux comme ça? Je le vends 4 euros, monsieur. On a fini la cape. On va à Magic World. À Magic World. On a trouvé quelque chose, et on a vu le Nico, dédicace à toi. Et Jimmy, il faut pas l'oublier non plus. Dédicace à Jimmy aussi. Je vous remercie.
Merci à vous. Et ça, du coup, c'est... Pareil. Pareil. Alors, je vous écoute. Ah oui, il y a le lien. Ah oui, c'est embêtant, c'est le micro et les deux comme ceci. Hop. Ah, vous avez compris le propos ? Non, on n'a pas... Pièces. Par contre, si vous avez un sac... Alors, les sacs sont une denrée rare. Ouais. Je peux bien de la DS. Vous les branchez comme ça, là, et en fait, c'est rigolo, ça tourne. Oui, oui. Et c'est un jeu spécifique, alors ne me dites pas le nom. Comme ça. Les Skylanders. Ah ben, c'est ça, voilà. Ben voilà. Ouais, mais voilà, je saurais le dire maintenant. Voilà. Et vous faites combien ça? Mais je vous fais le lot à 10 euros si vous voulez. Le lot à 10 euros avec le jeu. Bah ouais, ouais, je vais le prendre. On repart avec le chariot. Parce qu'on a trouvé un carton rempli. Ouais. Donc on s'est dit peut-être qu'on va trouver encore des choses. Là 5 euros. Ouais. Ouais. Les autres à 2 euros. Oh, voilà le roi du Pokémon. Attention, là c'est du sérieux. Ouais, jeune homme, tu exposes ou tu te balades? J'expose. Ah, ouais. Tu déballes trop tard, toi. Non, ou tu arrives trop tard? Ok, non, tu arrives. On a rien trouvé encore. On a pris une carton tout à l'heure. Même comme ça, nous. Même comme dans le chariot. Les mêmes tailles, un 10, les deux tables. Je prends les 4 pour 4. Ça faut une, deux. Bah une, tu fais tout ça. Une, hein. Ouais. Pas deux. C'est bon ça. Attends, venez. Je filme en même temps. C'est le télé. Droit à l'image, vous me filmez. Mais non, je ne filme pas, genre. Bon, pour la Wii, 20 euros, c'est bon? 20 euros, c'est cadeau. Hein. Ouais, c'est pas cher. Non, c'est pas caché. Et sort ta jouille derrière. Regarde, viens. Fais le tour et viens voir. Ouais, d'accord. Là, c'est le chariot. Je... Oui, tu peux aller sur le chariot. Je sais jamais s'il y a des gens qui aiment bien, regarde. Voilà, et encore. Salam. Non ? Bon. Et comment ça ? On se paye maillé. Brito. Il y a un porte-monnaie. Il y a un porte-monnaie. Petit sourd. Il a souri. Hein. C'est là.
Ouais. Comment il sait ça? C'est combien ça? Deux et deux. Il y a la boîte de ça là-bas. Le carton, c'est sa boîte d'origine. Ah d'accord. Ah, ah oui d'accord, ok. Ah ok. On a, il y a des timbres aussi. Bon, on va bien voir ce qu'on va trouver. Comme il en veut, il en veut cher. Il a pris une partie. Oh chérie, ça va. Un collègue, ouais. Ouais, c'est pas le choix. Celui-là, il est pas. Les plus intéressants, ils sont pas. Ouais, celui-là. Il y a charnière et... Ouais, c'est fini. Tu l'as non plus, il n'y est pas. C'est dommage, il y a très trop. Mmh. Sinon, il vaut cher. Mmh. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon. Il fait tout le temps, il dirait ça. Ça, je connais pas non plus. Là, je connais, mais je trouve pas. Ouais. Série. Ah, la série des... Oui. Des plates. Pas mal. Elle est pas connue. Ils sont pas tous neufs. Mais... Ah, c'est quand même... C'est quand même des pas mal. Ah, la série n'est pas... Et les enveloppes aussi. Il y a combien d'albums? 1, 2, 3, 4, 5 albums. Ah ouais, mais il a pris le plus beau alors. Il a pris le plus beau alors. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu veux? Et il a qui ont peut-être pris aussi. Oui, celui-là qui était avant moi, il a pris le plus beau. Ah oui, bien sûr. C'est l'affaire, porte-fenêtre. Voilà, on a fini. On va à Saint-Nicolas. Pour finir notre grenier. Pour finir les vignes greniers de l'extrême. A tout de suite. Bonjour. Il y a du monde. Le stand de Playmobil et Lego, etc. Ça n'en fout pas le stand. Playmobil et tout ça. Je sais pas combien il prend de place. Il prend au moins 5 ou 6 places, 7 places même. Ouais. C'est une pyramide ça? Ouais, ouais, c'est pas. Allez, bah je te le. Il est où? Ouais, Yoda.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Allez, au revoir. Cheater. Ah ouais, cheater. Je l'ai, celui-là. Ouais. Il est en boîte, moi. Ouais. Bonjour. Combien elle fait, là, la police? 5 euros. 5. C'est sympa. C'est sympa. Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que c'est une facsimilé de... T'as le temps plus des soviets? Des plats, des... Il y a un peu de tout à Saint-Nicolas. Hein. Là, on a trouvé des facsimilés. Vous les verrez dans le compte-rendu. Ah ouais, il y en a quelques-unes là. Bah c'est plus pour les pièces. Elle est belle cette boulette. Celle-là elle est complète. C'est comme... Attention, tu marches à ras, ça. Oui, mais c'est pour ça. C'est pour... je sais où je marche. Hein, c'est pas... On est revenu, le vide-grenier de l'extrême. On a acheté pas mal de choses. Un premier carton plein. Un sac plein. Il y a plein de petites choses sympathiques. On va commencer par les BD. Le premier lot de BD. Avec des jeux. Ouais. Des jeux de Xbox 360. Grand Theft Auto 4. Grand Theft Auto 5. Donc des classiques, quoi. Complet. Il y a la carte des deux. Ah, il y a la carte. Ouais. Là, il n'y a pas la carte. Ah, il y a la carte. Il y a la carte et il y a la petite derrière. Bon, c'est 1 euro pièce. 1 euro, ça va. Là. Il y avait celui-là aussi. La carte de ça. De Project Origins. Le projet des origines. Des origines des addicts. C'est ça? Non. Ça allait avec ça. Il y avait ça en premier. Non. Non, non. Donc les BD, quoi. On commence avec une sous-blister Garfield. Ouais, sous-blister, oui. On les a eu toutes à 1 euro pièce. Il y en avait 17. 17. Non, 16. Oh. Ça faisait 19 avec les jeux. Ouais. 16 BD pour la revanche 3 jeux, 19 euros. Des Égyptochats. Des Égyptochats. Moi j'ai eu un peu de blessé. Des petits schtroumpfs. Deux petits schtroumpfs. Trois petits schtroumpfs de l'eau. Un petit schtroumpf. Deux petits schtroumpfs. Trois petits schtroumpfs de l'eau. Un petit schtroumpf. Deux, trois petits schtroumpfs. Et ça va par là-bas. Et oui, on le met là pour maintenant, il y a souvenirs de famille. Pour la première fois en album. Tu te souviens, papa? Oui, je me souviens des souvenirs de famille. On a filmé avec la caméra. Non, caméscope. Caméscope, à l'époque c'était caméscope, je sais pas. Ça c'est le numéro 16. Mm. Brûlé Bill. Femme en blanc. Mais femme en blanc, on a dit pas mal de femmes en blanc. En voie de disparition. C'est assez rigolo comme BD, ça. 44 francs. Il y a une infirmière, une fois, elle avait acheté 5. 5 femmes en blanc. Je dis, oh, j'étais content. On en avait 5, elles ont tous pris.
Ouais, j'avais pas vu celle-là. Encore boule et bile. Abîmé, hein. Le numéro 1. C'est qui le numéro 1? C'est nous. Je sais plus compter, moi. Je le fais avec la calculatrice. Et femme en blanc, super. Le numéro 1. J'étais en train d'en dire une. Oui, mais excuse-moi. Super pique. Piqué, super piqué. Oh, il y a Superman. Oui, super piqué. Super piqué. C'est pas Superman, c'est super piqué. Bon. Je suis un piqué. Il m'a piqué la BD, là. Super piqué. Je reste sur place pour vous aider. Super piqué. Toi c'était quoi toi? Numéro 1 juste? Numéro 1. Femme en blanc. Ah, femme en blanc quoi. Numéro 2. Édition spéciale. Allez, perdu. Tu vois l'intérieur? C'est mieux que là. J'avais pas fait gaffe à ça. Les femmes en blanc, pain, sang et rire. Pain, sang et rire. Ah, un Lucky Luke. Ancien. Un ancien. De... C'est Total qui faisait ça. Le juge. Silence à la table. Après, on a... Culte, le numéro 11, avec World of Warcraft, ouais. Le booster et une carte. C'est pas mal. Pour, c'était un euro. Sous-blister, pardon. Sous-blister. Non, ouvert. Sous-blister. On a eu un Marvel. Thor doit affronter l'un de ses plus puissants ennemis, mais qui se cache derrière tes armures, tes sauteurs. Si vous voulez qu'on l'ouvre et qu'on ouvre le booster, dites-nous en commentaire. Si on a 5 commentaires qui disent de l'ouvrir, on l'ouvre. On l'ouvre. La panthère rose. C'est sympa, ça aussi, c'est bon. Ouais, ça je suis content ça, d'avoir fait. Et celui-là, alors celui-là, c'est super. Celui-là, il est très coté. Ah oui, oui, le zombie là, ouais. Zombie. Zombies pour des soirées mortelles. Des soirées mortelles. Ça dit. C'est assez spécial, ça, comme. Ouais. Mais ça plaira à certaines personnes. Je lirai pas ça, moi. Hein. Non, c'est bien. Non, moi non plus. Hein. Non, non. On a eu ça aussi, après. Ça, hein. Attends, dans le même jour. Dans le même lot. Ah oui, il y a une enveloppe premier jour. Ouais, bon, on a fait une connerie d'acheter. Non, mais c'est pas grave. C'est un euro, ça aussi. C'est une poste aérienne. Poste aérienne, mais il était pas très coté. Encadré. Encadré. Je t'ai encadré, tu vois. On a eu, regardez, de près. Là. Betty Boop, ça c'est recherché aussi. On a eu une chance de l'avoir au prix de 3 euros. Regardez comme c'est beau, j'ai la mienne, regarde. Et c'est du. C'est de Brito. Brito. Brito.
Regardez cette beauté. Non mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal fait. Hein. C'est bien fait. Hein. En boîte et tout, c'est bien. Hein. Il y a même le... On a vu, il en a, il le vendait 45 euros. Ouais. Nous, 3 euros, on l'a acheté tout de suite. On s'est dit, c'est beau ça. Avec le porte-monnaie aussi. Le porte-monnaie, oui. C'était 2 euros. Ça. Oui, ça pas mal aussi. Le porte-monnaie, c'est sympa, des années 90. Il est en Sky, c'est ça? En Sky, je pense. Ouais, c'est Sky. Vintage, ça aussi. Vintage. Ça, c'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux. Mais ça, c'est vintage. Ça, c'est plus vieux. Entre 4 euros les deux. 85, quoi. 90. Oui, les années 80, 90. Ouais. 4 euros les deux, c'est bien. 4 euros les deux. Hein, c'est 4 euros les deux. Qu'est-ce que t'as dit, toi? C'est pas 3 et 2? Non, non. 2 et 2. Ah, 2 et 2. Ah oui, vous avez réduit le prix, après, c'est vrai. On a pris les Skylanders. Oh là là, on est fous. Encore des Skylanders. On est fous de Skylanders. Il y en a plein. Bon, il y a le plateau de la DS. Mm. On peut le mettre. Il y a donc le chargeur, celui-là. Il y a le chargeur, mec. J'ai regardé ça. Pas tout le temps qu'il y a le chargeur. Il y a celui-là, celui-là, il est bien. Attends, je vais prendre les deux comme ça. Le requin. Espèce de requin. Le requin frappeur. On appelle ça. N'importe quoi. Ah mais il manque de tout. Ouais, c'est pas cool. Cassé. C'est bien. C'est bien de l'avoir. On a eu la samouraï. C'est un avatar. C'est ça. Même quand Avatar n'existait pas, ça n'existait pas. Non, c'est avec la prise. Champignon cyclope avec la lance-pierre. Lance-pierre. L'homme à la masse. Gros colosse. L'homme de pierre. Celui-là. Celui-là, là, je vois. Un dragon. On a un petit chevalier avec une épée. Celui-là qui bombarde. Bon, 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 bon. C'est Schwarzy, ça. Ok, non, j'ai comme ça. Il reviendra. Il y a le. Comment faire pour le charger? Ah celui-là il est pas commun. Oui en rouge ouais pas. En rouge. Bleu il est commun mais en rouge ouais. Ouais en rouge il est pas commun. C'est. Il a la pierre précédente. Il est un peu gris. Il fait de la chimie lui. C'est un alchimiste. Je sais pas si c'est pas une élite ou un truc comme ça. C'est une élite ça. Peut-être, je me renseignerai. C'est possible. Après on a le canon. Le canon, boum boum boum. Ça canard. Bon 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 bon. On en a encore des Skylanders. Et donc un deuxième lot. Tout ce lot pour 10 euros. 10 euros tout ça, ouais, c'est pas mal. Un deuxième lot. Des bons... Un deuxième lot avec pour 10 euros. De plateforme. Ouais, plateforme de merde. On en a plusieurs, on en a trois. Il y a le chargeur sur ce. Les autres non. Il y a le. Hop, hop, hop. Skylanders. C'est tous les jeux Skylanders. On a l'offre avec son marque là. Ah, ils sont tous des montées sur moi. Ah, ouais. Je... Spyro. Ça, c'est bien, Spyro. Celui-là, il se démontre. Skylanders ASMR. Skylanders ASMR. Ouais, c'est cool. Plutôt pas commun. Pas commun. Celui-là, pas mal. L'homme fou.
y a l'homme de pierre de Lave. De Lave. Ouais. C'est de Lave. En pierre. De pierre de Lave. Pierre de Lave. Ah, c'est limite ça, celui-là, non? Il n'est pas métallisé? Peut-être, oui. Oui, c'est limite ça. Il est bien celui-là aussi. Ouais, c'est peut-être ça. On a un poisson. Un poisson. Oh, oh. Un dragon avec des épées. Ah non, c'est des boomerangs. Boomerang épée. Boum, boum épée. Boum épée. Qu'est-ce que t'as fait? Pas. La petite libellule. La libellule. Mais donc, tu vas devoir un bordel. Poiscaille. Poisson. Poiscaille. L'homme au des revolvers. Il tire plus vite que l'équilibre. Ninja. Ninja Niak. Chouayaga. Voilà. Le scanner, c'est fini. Celui-là de l'eau aussi, 10 euros. Petit lot. Celui-ci, on a trouvé que ça, c'était à la carte. La carte. 4 euros. Tu captes ou tu captes pas? Tu captes ou tu captes pas? C'est au bord de mer. C'est bien. Et c'est rare pour trouver de la chose. On en a trouvé, mais c'est rare. 4 euros, c'est bien. Ouais. On a trouvé ça. Ça, il y avait Dragon Ball, des cartes Dragon Ball avec. Ouais, on les a pas trouvées, je sais pas. C'est tout, mon ami. C'était. Donc, une carte à Dragon Ball, il y en avait. Combien? Une trentaine? Non, j'ai compté, il y en avait 80. Ah, il y en a 80 quand même? Ah oui. Bon, en fait, combien? 80. 80, j'avais compté. 80, et ça, c'était 1 euro. Ouais. Et les cartes, c'était 2 euros. C'était 3, mais j'ai négocié à 2. Ouais, 2. J'ai négocié 3 euros avec ça. Ouais. C'est gratuit. 3 euros avec ça. C'est bien. Les 4 bonnes balles. Et les petites cartes Fortnite. On vous montrera. Ça va pas être que chocolat. Vu que ça met du temps, on vous montrera plus précisément. C'est qui dit ça va pas de café? Oui, ça va pas de café. C'est moi qui rêve. J'en bois pas. Regarde, est-ce que t'as vu combien elle a fait de vues la vidéo? Oui, oui. On fait l'achat février, on aurait marqué chocolat, elle aurait fait 50 000. Là, on a fait 200. Chocolat, c'est pas bon. Mais café, c'est bon. Ça boit pas de café, ça. 5 euros. Moi, je bois pas de café. On vous montre ce qu'il y a dedans. Il y aura des brillantes, des trucs et tout. Je vous montre vite. Ce sera dans la prochaine vidéo. Voilà, allez. Pas dans la prochaine Fortnite. Vidéo. Dans une prochaine pas vidéo. Voilà. Oui, mais c'est pas grave. Compris. Tiens, 4 Fortnite. Aïe, aïe. Et on a fait le tour? Non. Ah non, on n'a pas fini. Le plus beau lot important de la journée. Enfin, du week-end. Du week-end. Du week-end. On a fait 6 vide-greniers. Hein. Eh ouais. C'est impressionnant. Mais à Saint-Razur, on n'a rien acheté. Alors ça, c'est magnifique. On va le sortir. Bon, ça va faire du bruit avec le sable, bien sûr. Ça va faire un peu ASMR. Pour ceux qui veulent dormir, c'est ASMR. Un peu calme. Tu ne dormiras pas, bordel! Là, tu peux plus dormir. On a marché sur la lune. Et c'est quoi? C'est des facsimilés, les amis. Facsimilés. Facsimilés. Le pays de l'or noir. Et où le pays de l'or noir? Il est en dernier. Facsimilés. Donc c'est des originaux, mais c'est des facsimilés. Facsimilés, facsimilés. C'est des répliques. Facsimilés. Faxi vive, faxi vive. Bijoux de Castafiore. Ah, bijoux de Castafiore. Ça va être encore repris, ça, par Tony et son acolyte. Oui. Vol 714 pour Sydney. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les cigares. De où? Du Pharaon. Mais non, c'est le Pharaon. Le pharaon, les aventures de Tintin.
en Amérique. Le temple du soleil. Il va faire chaud demain. La terre. On le sort. Je le sors. Ah, celui-là est pas mal. Vie noire. Il y en a beaucoup qui disaient que c'était pas vie noire, c'était vie de mystérieux. C'est dit. Regardez, ça c'est original. C'est la première, la toute première édition. Et oui, c'est pas pareil. Le secret de la licorne. C'est différent. C'est les toutes premières éditions, ça. Ah, cela. C'est le facsimilé de la toute première édition. Ah, d'accord. En couleur, pas en noir et blanc. En couleur, bien sûr. Bon, il y en a qui sont sortis qu'en couleur. Le trésor de Raclamour. On attend toujours la suite d'ailleurs. Il y a eu le secret de la licorne en cinéma. Mais on attend toujours le trésor de Raclamour Rouge. On n'a pas vu. Flindra, tête de tigre. Tintin. Et puis carrosse. Il y en a encore un ? Oui. Il y en a encore plusieurs. Ah oui. Bon, il y en a 17 en Tintin tout. Tintin au Tibet. Le crabe aux pinces d'or. L'étoile mystérieuse. L'oreille cassée. Aïe. Toi, t'es sourd, faut pas l'oreille cassée. Et pour finir, Coq en stock. T'en as un stock ? Alors les 17, ça c'est un bon prix quand même. Les 17 Tintin facsimilés. Ça c'est plutôt. Et là il y avait les vrais. On les a restaurés. On a mis du plastique pour les protéger. Et on est très content. Enfin, on les a fait restaurer. On les a fait restaurer. C'est mon frère. Voilà. Le fait, il a la patience. Mon frère, l'antiquaire. L'ancien antiquaire. Oui, bah parce que là, il m'a tout appris. Il va même plus chiner, je pense. Non, il va plus, il a plus le temps. Donc, ça, on a 150 euros les 17. Ça fait 8,82 € le fascicule de Tintin. Pour des facsimilés, c'est pas cher. Non, c'est pas mal. Hein. C'est bien quand même. C'est quand même plutôt bon. Ça reste un bon prix. Hein. Ça va. Il y en a qui sont comme ça, les marrons. Oui, mais parce que c'est édition originale, mais en. Enfin, édition originale. Qu'est-ce que c'est une différence ? C'est les éditions d'époque. Il y a comme ça, et il y a comme ça. Ah oui, parce que c'est les éditions d'époque. Les éditions sont plus vieux, ça c'est vieux. Ça c'est plus récent, ça. Ça c'est plus récent ? Mais oui. Ah. Ils étaient de quelle année celui-là alors ? Celui-là, ils sont de 2003, je crois. Mais non, mais t'as pas compris. Ça, c'est la couverture d'époque. Ah oui, d'accord. De l'époque. Ah, de l'époque en plus ancienne encore. C'est ça ? Mais parce que la BD, le livre, il a été sorti avant les autres. Oui, d'accord. Donc du coup, c'était fait avec ce truc-là. Avec cette. C'est pourtant si, quoi, là. Ce derrière. Pas pareil que les c'est pourtant simple, non? Tu veux voir mon derrière? Tiens. C'est pourtant simple, non? Mais non, c'est pas simple. Des facsimilés! Ça veut dire qu'ils refont tout à l'identique que l'époque! Identique que l'époque, oui, j'ai compris. Putain! Oh. Mais j'ai compris. T'as compris ou t'as pas compris? Ça y est, c'est terminé. T'as pas frit, toi, je crois. C'est fini. La phrase qui nous a rendu célèbres grâce à Kirby. On a fini. On a fini. Kirby, la série. On est désolé les amis, on vous laisse sur sur ces BD magnifiques qu'on a trouvées. Et on vous dit à une prochaine fois pour les vides greniers de l'extrême. Les vides greniers de l'extrême. Ciao. Deuxième volet, la prochaine fois. Tu as aimé cette vidéo, mets-nous un pouce bleu. Pouce. Ouais. Mets-nous un pouce bleu si tu as
cette année-là. C'était la première fois. Mets-nous un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Mets-nous un pouce bleu.